Bolingwa top vision elukelinga makambo mama. Na botosi amibe kwanza mbe makoma zoba mawa mawa. Bolingwa emerik elukelinga makambo benwa. Utakwa bantu disumwe mwanya mama mawa mawa. Nani a collé la gueule? Oui, qui n'a pas différent pareil. Marie Makoya, on va se couper ça, la finition, bisso. Mi balé A, Darima Koya, ensemble. Parce que c'est un mix, on a proposé. Pré-mix, tout ça qui porte tout ça, la barre retouche. C'est pas ça? Tout si tu retouché. Quand tu as ma voix, tu as un problème. Donc, si tu as un salis, tu as un mix. Premier mix. Tu as un lobby. Tu as quelque chose à faire. Avant d'aller dans la deuxième mastering, parce que tu as un deuxième mastering. Avant les gars, on a deuxième mastering. Ils ont proposé ah bah qu'est on a dit que tout match ça banini, banini, tout ça les remarques d'ensemble. Après tout comme ça là, c'est qu'on finit ça biso, mi balé, tout équilibré, ma tout mi balé. C'est bon. Tu comprends? Donc ah ouais, c'est quoi? Avant on a pas pour dans ça les deux mastering. Mastering on a relongé la banini, bas basse, on a comme on a treble les qui, on a cassé treble. Avant ni, ils ont parce qu'il faut y avoir quelqu'un de lobby qui a dans senti qu'il y en a c'est. L'idée de moi, moi quelque part, on a senti que basse. Après, finissant tout ça, c'est qu'on s'envole. On a deux jours et on sort l'audition. Ok. Parce que ça, quand on a un béton, on a un béton, on a différent, pareil. Avant, les canadiens, on a noté que la salle déjà gonflé, je m'en rends si on a dit que ça, la remarque, la salle est en train de se faire. C'est pas ça. Il y a dit que, oh, yo, on me remarque, on me mélange. Et c'est important pour nous. Parce qu'on a remarqué que ma voix, tout ça, la bouche, ça finissait ce que tout le monde a dit. Tout ça, vous avez une conclusion. C'est bon. Oh, maintenant, il y a un CP, il y a un CP, après tout ça. Tchikicha, tchikicha. Tchikicha. Donc, ah, ça. Vi ba remarque au tout ça li on a par me kana na nire parce que na ko lo ba noté que bor ici li et ça c'est comme kolo nzembo et ça yo ouais kolo nzembo ça yo on kolo nzembo. Bonsoir Fort Lutte. Bonsoir. Je suis très surpris de te trouver ici chez Makunzenze. Est-ce que Fort Lutte nous cache quelque chose? Parce qu'il y a eu un silence absolu. Et du coup, je viens de trouver Fort Lutte ici. Ouais, c'était la plainte un peu de tout le monde. Et les fans, et en disant tout le monde quoi. Après victime, on a eu une bonne période d'observation, d'attente. Et voilà. Là, j'en profite de l'occasion d'annoncer au public que j'étais dans un studio. On a préparé un EP, donc un single, appellation ordinaire. D'ici là, ça sera disponible. Quoi. Là, nous sommes chez Makou, on travaille un peu. C'est de combien de titres déjà? Le nombre de titres sera relevé d'ici là. Ce qui est sûr, c'est que c'est un EP. Sinon, pour l'instant, on peut pas vous annoncer le titre du single ou à EP. Fort Lutte, c'est quelqu'un qui est bourré de surprises, c'est quelqu'un qui est comme un maître qui n'a jamais exposé ses katas, mais en plein spectacle comme ça, pas il te tape un truc, tu es à terre. Je vous donne déjà le titre du produit, c'est Big Timbiati. Qui signifie Big quoi Timbiati. Non, l'explication sera donnée après la sortie, avant la sortie. Mais tu nous caches beaucoup de choses. C'est aussi possible que je vous annonce le produit et que je dise le titre reste confidentiel. Pour l'instant, on me fait bien titre à Kim. Mais sinon, les nombres de titres aussi, on ne peut pas connaître. On sera autour de 4. Autour de 4. Qu'est-ce que Fort Lutte nous prépare là-dedans? Quel genre de nourriture on va retrouver là à l'intérieur? Les profondeurs du monde autant. Les vraies profondeurs de la musique tradie moderne, Bembe Mikenge, ne sommes pas allés plus loin. Parce que tout le monde, y compris nous avons tous survolé depuis un certain temps. Et là, nous avons décidé de rentrer un peu plus en profondeur. C'est-à-dire une musique de recherche, mais vraiment authentique. Quoi. Je ne vous promets pas, mais vous allez voir quand même que ce serait un produit qui pourrait être parmi les meilleurs singles de notre décennie. Fort Lutte n'a pas commencé sa carrière musicale aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis très surpris d'entendre Fort Lutte dire « Je suis rentré en profondeur de la musique Montuta ».
certainement il a eu à faire quelques remarques sur ses anciennes chansons et il a préféré... Effectivement, il y a les remarques du public, les observations personnelles. On se rend compte que c'est vrai que nous faisons notre musique tradie moderne, mais nous sommes un peu plus en superficiel, quoi. Nous sommes plus au-delà même de notre culture. Et après, plus on avance, on se rend compte qu'il faudrait bien qu'on entre dans la profondeur de notre musique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour ce produit-là, vous allez comprendre que nous sommes allés dans la profondeur, les vraies originalités, les vraies danses des Mikenge, vous allez les retrouver dans ce truc-là. D'accord. Et ouais. Fort Lutte, donc après le studio de Makunzenze, où est-ce que tu nous emmènes pour découvrir la suite de tes chansons? Après, là, on va repartir au studio, mais au QG, parce qu'on a répétition. Après, je crois, tard dans la nuit, on sera chez Prince Solo. D'accord. Donc, on travaille entre deux studios, à gauche et à droite. Okay. Question de ne pas saturer les techniciens et d'avoir un produit bon à l'auditoire. Quoi. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Mame yo, mame. Mame yo. Oh, c'est bon, hein? Mame yo! C'est bon? Mame yo! Mame yo! Mame yo! Ok. Mame yo! Mame yo! Mame yo! Mame yo! Mame yo! Mame! Pardon? Mame! Mame! Ah, il y a une mauvaise Laura, quoi! Téléspectateurs, bonsoir. On est bourreux de joie parce que on est en pleine mélodie. Ozalapé, pianiste. Hein? Ouais, on touche à tout. On touche à tout. On touche à tout. Donc nous sommes au studio où se passe la séance d'enregistrement du leader Fort Lutte qui est en préparation en plein enregistrement de son nouveau maxi single. Ici nous sommes, vous voyez cette maison, une petite maison, mais c'est la maison qui fait danser pratiquement toute la nation congolaise. Et ici on appelle 20B. 20B c'est le studio d'enregistrement le plus connu de la musique Mututa. 20B. Tout ce que vous dansez là-bas en France et tout ça là, partout en Italie et tout, c'est ici que ça se produit. Donc nous sommes avec Fort Lutte et son équipe que vous voyez, les professionnels, parce que même moi-même, j'étais présent. J'ai profité aussi de ma dédicace. Wow. Fort Lutte, bon, dis-nous Fort Lutte, nous avons suivi ta séance d'enregistrement. Comment ça se passe vraiment? Ça se passe très bien. On est là, on est sous la direction de l'ingénieur de son, Prince Solo. Mm-hmm. C'est à lui de voir comment ça se passe, sinon... Ici, là, nous sommes des exécutants. Mm-hmm. Et voilà, ça se passe très bien. Mais j'ai vu des manœuvres que tu es en train de pratiquer avec tes artistes. Dis-moi quel genre de difficulté pour rencontrer. Quel cas de difficulté on a des enregistrements avec nous. Bon, difficulté, on a, ce sont les mêmes difficultés. Parfois, quand on a eu la difficulté, mais c'est juste la volonté de vouloir créer un bon truc. Parfois, moi, mais il m'aime bien, mais il me dit. L'outil bien pour qu'elle t'allume bien. Hey yo,
Mame. Nikuna? Mameyo, ya wenyonga kono. C'est tout. C'est quoi, Magina? C'est tout. Après, on a tes maisons. Oui, oui, non, d'accord. Bien, il a qu'un, vas-y, blé. Super. Ah, jetez-moi mon goût, moi je suis moi ici. C'est bien. Mameyo. J'espère que c'est ça. Attention. Ah, le minki même mi ya. Bon, moi, tu me bouger. Ngandama. Bobo mamuinda. Complication, mais ce n'est pas forcément des difficultés. Quel genre de critères, quel genre de techniques que vous avez pratiquées pour obtenir ce genre de style? Parce que j'ai comme l'impression que vraiment tout a changé. Hein. Ça se passe dans la tête, c'est plus l'oreille quoi. C'est difficile à expliquer, mais c'est l'oreille qui guide et puis voilà. Fort lutte mais quand tu me vois le moi ça me couise mais bon maman bah vos enregistrements bah qui en plus le truc impressionne ça paraît un peu c'est quand tu cana quand c'est la bouche là qui va me tuer c'est un jour fort lutte mais va la voyage quand même la quel voyage je suis voyage mon quel voyage t'as mis mais va la pétanque balater et tout ah balater nan zapson mais va bazole mais va la boile quand même t'as na yamba ça s'est bien passé ouais fort lutte. Et avant qu'on poursuit avec l'autre là, l'histoire de ton enregistrement, j'aimerais profiter aussi parce qu'il y a un bruit qui sort de partout. J'ai entendu un bruit. Les gens de Muyondi se sont vraiment fâchés contre les gens de ton village, je peux dire. Quelle histoire? Qu'est-ce qui s'est passé entre Balater et... comment on l'appelle ton ex, ton ancien musicien c'est toi qui as été à l'origine de tout ça là, parce que c'est toi qui as emmené Balater là-bas. Hein. Bon, je n'y pensais pas. Moi, je me disais qu'en venant me trouver ici au travail, au studio, c'est pour t'aider pour me poser des questions un peu plus relatives à mon groupe. Mm-hmm.
Bon, mais comme tu en parles ouais, déjà, ouais. On profite de l'occasion donc on a présenté toutes les excuses à tous les fans, tous ceux qui suivent la musique, ceux qui sont à Muyonzi, à Mbamabombo, à Kikungwe, à La Bouenza et tout partout dans le monde. En fait, en réalité, on va expliquer pour Marc Mandaga. Ok. Il y a maintenant moi en production parce qu'après, je suis artiste, mais il y a des moments où je. On s'entraide, il y a des vrais cadres de la production, vous connaissez la production comme telle, mais parfois c'est une forme de, d'entraide. Donc, moi, on attaque à bas la terre, dans Zapson, pourquoi je joue à Yamba. Parce que depuis que Yamba est Yamba, il n'y a pas longtemps que Bakou est courant, donc il faut profiter de ce bienfait-là. Il fallait donc créer un spectacle. Donc, ça posait bas la terre et Zapson, ça s'est bien passé, ça s'était bien passé. Balater a été bien accueilli, je pense qu'il pourra bien du moyen de commander lui-même. Il y a des images qu'on va aussi et effectivement, exposer, effectivement, hein. Il a été accueilli pendant le parcours avant même d'arriver à Yomba, dans les petits villages, il a été accueilli. Il a lui-même senti l'engouement, la façon dont il était attendu. Et après le spectacle, pendant le spectacle, il y a eu quelques accroches. C'était mon frère Flamme qui a eu, il y a eu quelques débordements de comportement, mais ce sont des débordements mineurs. Après, bon. Toutes nos excuses, mais ce n'était pas dressé contre une personne. Quoi, j'ai vu la population de Muyonzi se lever avec une colère terrible en disant voilà, il faut qu'on venge, on n'a pas été battus. Non, je pense que c'est une mauvaise interprétation et puis c'est une amplification des situations. Balater n'a pas été menacé, je le confirme, n'a pas été menacé. Et quand on va déborder, on a profession, gaga. Si vous avez une flamme dans Muyonzi, c'est votre frère. Ce n'était pas aussi dans l'intention. Balater le sait que flamme avec flamme et Balater, ça se passe bien. Et quand on va débordement, parfois, dans ce stade, ça, moi, buzz, il y a eu des débordements, mais c'était pas. Il y avait une menace physique. Il y avait un cadre vraiment buzz. Je présente mes excuses à la place de flamme. Vraiment, ben excusé, mais après, ça s'est mal passé. Au point où on était obligé d'arrêter le spectacle. C'est un peu le côté que nous avons déploré. Mais prochainement, je crois que lui-même également, il a compris que les gens lui ont fait des remarques, les gens lui ont parlé, et puis voilà quoi. D'accord. Donc, je répète, Balater n'avait pas été menacé. Il y a même bien à Yamba, Minkenga Mbouyen bien. Il n'y a pas seulement Balater, il y a Bijou qui était là-bas. Quand on a ouvert l'espace à Yomba, le premier c'était Flash, le petit Flash a joué là-bas. Flash Moubé MPO, non? Il est venu jouer à Yomba, il a bien joué. Après c'était Bijou, après il est venu Balater. Voilà. Donc après peut-être qu'il y aura d'autres artistes. Même du coup, on va dans Zakin Kaba, moi le Vounou, je suis fier de me multiplier le Vounou. Également, il y a un incident mineur, quoi. C'était minable. Donc, voilà. Cher peuple de Muyonzi, vous avez écouté, hein, parce que même moi, Moutala, mes images, tout ça là, Balater publié que, mais c'était pas vraiment une menace. Il y a que moi, contradiction que l'outan à cadre musical, en tout cas, les gens de Yamba, quand ils arrivent à Muyonzi, ben Yamba, parce que nous tous, nous sommes à La Bouenza. C'est La Bouenza, et on ne doit pas mettre des divisions dans La Bouenza. Donc, parlons de notre projet. Dis-moi, est-ce que tu peux nous citer quand même, parce que tu as beaucoup de secrets. Nous avons vraiment beaucoup de détails avec toi. Nous avons un studio quoi. Tu peux quand même nous citer quelques titres de ton album. Quelques titres. Non, un a cappella. La cappella d'un titre, oui. Mais plusieurs titres. Mais pas en a cappella. Tu nous quand même nous dis quels sont les titres que tu as. Bon, là tu viens nous trouver, en train de travailler sur Mungwansa. Là où j'ai profité de. J'ai été dédicacé aussi. Ouais, vous voyez, vous avez boangle, vous yamba. Vous voyez, ma tête est bientôt là. Boangle, que tu me tiens pour boangle là. Ouais, donc c'est quoi? Boangle. Donc ça c'est Mungwansa. Et puis, c'est Makou, tu nous avais trouvé là-bas, en train de travailler sur Boala. Les autres titres là, je crois que le moment viendra, on pourra les annoncer, sinon c'est un single. Une prise.
Hésitation, hésitation. Hésitation, hésitation. T'as là. Il faut continuer. Mais il faut que continuer, il faut nous enchaîner. Après, on a hésité. 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 On a Una tubuka mutele, nya baba mutele na boyeri mutele. Buina. Una tubuka mutele, nya zina la mo vidi mosu la. Faut pas vidi vanda. Una tubuka mutele, na 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 na. Faut pas voir vanda la vide. Una tubuka mutele, na 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 na. On a tout le mutele, on a tout le mutele, on a tout le mutele, oh mama, ma tese, oh mama, ya. Ouais, vraiment ça. Ma tese, oh mama, ma tese, oh mama, ya. Des bonnes. On a tout le mutele, oh mama, ma tese, oh mama, ya. Maman aussi, un peu de maman aussi. Vite, banda. On a tout mutele, on a baba mutele, on a voyagé mutele, oh mama, ma tese, oui, ma yede, oh ma déja. Métronome. On a tout mutele, on a baba mutele, on a voyagé mutele, oh mama, ma tese, oui, ma yede, oh mama, ma tese, oh mama, mutele, oh mama, mais. Quoi, tant, 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 on a bien là. Oh, on a bien là. Vous n'avez pas de moutelé, vous n'avez pas de moutelé, vous n'avez pas de moutelé, oh maman. La tête, c'est quoi, ma yéle, oh maman. Ça va, vous n'avez pas de moutelé, vous n'avez pas de moutelé, vous n'avez pas. Bunu tuka yamba bunya baba yamba nda boyegeri bunya baho mama bunguani kwele yende ho mama ya. Avec les ingénieurs, on est dur avec nous-mêmes, parce qu'ici c'est à l'ingénieur de vous aider à faire ce que vous voulez faire. Vous devez être dur avec vous-même. Et l'ingénieur. Fort lui, t'es un peu capricieux. Hein. Je sais pas. Capricieux musicalement parlant et avec ses ingénieurs, il est un peu capricieux apparemment. Oh, capricieux avec les ingénieurs, je sais pas si c'est ce qu'ils, si c'est ce qu'ils vous disent. Désolé, mais je ne pense pas. Qu'est-ce que Fort. Par contre, rigoureux dans le travail, oui. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que Fort lui nous promet vraiment de. En fait, quelque chose de d'important, quelque chose d'original, quelque chose d'impressionnant dans son album qui est. Nous sommes allés dans les profondeurs, c'est ce que je répète. Ce produit-là va vous faire plonger dans la profondeur du grand Muyonzi. Yamba, vous allez comprendre les bonnes mélodies, mais les mélodies des ancêtres, révélées par nos ancêtres. Ouais. Mama, yeah, mama, mama, yeah, 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 mama, yeah
Forlutte, ah, Forlutte Grimace. qui tu veux impressionner comme ça? On impressionne personne, on est là pour satisfaire non, nos, mais, nos, mais, nos fans. Forlutte, Forlutte, vous faites partie des artistes traditionnels les plus organisés. Merci. J'ai des bonnes nouvelles de vous. Depuis même avant que je rentre dans cette histoire de la chronique Bembe, j'ai quand même quelques bonnes nouvelles de vous. Merci. Vous êtes le plus organisé et vous êtes la personne. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est un problème parce que vous êtes influent financièrement ou bien j'ai comme l'impression que Forlutte, ses clips sont plus modernes. Pourtant, vous faites la musique traditionnelle, mais vous avez toujours des clips modernes. Ah, une question très difficile. Bon, tout le monde se dit que c'est parce qu'aujourd'hui... faut pas dire que parce que j'ai le côté financier, c'est rien en fait. Tout part de la mentalité de la personne. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont connu Tonnerre Musica depuis sa création en 2006, quand on a fait notre premier album, je suis une personne qui agissait dans l'ombre, mais j'agissais efficacement dans l'ombre. En ce moment-là, j'avais quoi? J'étais étudiant, je me faisais remarquer par mon travail, par ma façon de faire. Et aujourd'hui, cette rigueur-là, je la garde. Bon, c'est vrai qu'il faudrait que je dise que le fait que j'ai la possibilité de débloquer ceux qui me connaissent depuis, ceux-là le savent. Depuis que nous avons fait notre premier album, j'ai une nature de rigueur dans le travail. Et aujourd'hui, cette rigueur-là, je la garde jusqu'à présent. Avec la facilité de débloquer certaines situations que d'autres peut-être ne peuvent pas, c'est par cette grâce. Après, bon, voilà. Ça, les deux choses-là se jonchent. Et puis, ça permet que j'arrive à faire ce que je fais, mais je me dis toujours que ça ne suffit pas, en fait, ça ne suffit pas. Et je me fie pas au talent que j'ai, je travaille toujours comme si je ne connaissais rien, et même quand je travaille avec les artistes, avec les artistes de mon groupe, je leur dis toujours que le talent ne suffit pas, il faut beaucoup travailler. Moi, il y a 10 ans, tu n'entendais pas ma voix comme ça, les gens m'ont critiqué, il y a des gens qui m'ont beaucoup critiqué que j'avais une vilaine voix, mais aujourd'hui, Forlutte, je n'ai pas une voix. Mais j'ai une voix particulière. Quand je pose, je suis l'un des artistes où c'est difficile que quelqu'un m'imite. Parce que j'ai une couleur que j'ai travaillée, que je garde aujourd'hui. Forlutte, quel est l'objectif de votre mission dans la musique Bembe? Promouvoir notre musique au maximum. Voilà. Quelles sont des stratégies de communication que vous avez mises en place pour votre nouvel album qui est en cours? Bon, cette affaire de communication, c'est, je crois, le côté où tous les artistes du Mututa, tous nous chutons. Et pour ce projet-là, on va voir comment on va s'organiser pour essayer de changer un peu la façon de faire. Donc, je ne peux rien dire là-dessus. C'est encore en réflexion, encore en coulisses, je ne peux encore rien dire. Mais nous sommes en train de réfléchir comment changer un peu la stratégie de communication pour notre produit. Parce que ce qui tue les artistes du Mututa, ce n'est pas forcément la qualité des produits. Mais il y a aussi la communication, la promotion. La communication. Voilà, on se fie juste, une fois que tu as fait ton produit, il suffit juste que ça arrive chez des ganses, chez Amouyozi, puis c'est tout quoi. Au fond, il y a plus de travail à faire une fois que tu as fini. Il y a un grand travail à faire que nous sous-estimons. Et ça, je crois que je demande à tous les confrères de comprendre que c'est le premier côté qui nous fait chuter parfois. Le côté promotion, la communication, on est un peu nul sur ce point-là. Voilà, donc nous sommes en réflexion et on verra comment faire. Forlutte, voilà, vous êtes en préparation de votre album qui va sortir d'ici là, même si tu ne veux pas nous donner la date de la sortie de ton album, même si pas vraiment la date, mais même le mois, vous ne voulez pas nous donner. Forlutte, dites-nous, est-ce que vous n'avez pas peur parce qu'il y a déjà quelques artistes influents qui sont dans le bac. Est-ce que des artistes influents. Est-ce que mon doutier n'a pas des artistes influents? Attention. Il y a ton petit Balater qui frappe fort. Ouais, il y a ton petit Moubembe 05 Moubembe qui a frappé aussi. Est-ce que tu es sûr que tu as un peu de talent dans le milieu de Non. Tu sais, nous sommes tous des guerriers, mais ma tamaye sans soin. Je ne sais pas si ma touille ou je ne ma calibre 12. C'est difficile. Il y a un problème dans ça, non? Ça dit que tu as guéri, mais tu as dit que tu as guéri. 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 Tu as dit que tu as guéri.
Il y a ça la poudre de chasse, il y a ça qui marque tout. Le plus important c'est la cible. Si même na tout une mieux faut monter. Il y a un calibre na pas quand il va rater. Bon, ne partez pas là-bas, mais ça qui va de manière abrupte. Attendez juste notre projet. Oui, mais moi j'ai peur que Kim Basik après y a Kim Gediam. J'ai peur. Oh, parce qu'il va mettre déjà qu'il est na terrain. Va mettre qu'il veut. Va mettre dans mon buteur qu'il veut. Tu sais, on s'embrouille vraiment. Les gens qui ont une place, on a une mousse, on a une tous les jours parce qu'on a goûté les jours. Tu as dit qu'on a mangé boula. Le monde était encore très loin, très loin, très loin. En plus, il ne faudrait pas qu'on se dise que la bataille, c'est entre, ce n'est pas entre nous. Non. Il faudrait même qu'on écarte cette idée-là. Si Balater sort, 05 sortit son album, c'est bien. Nous allons sortir, c'est bien. Tout ce monde-là, c'est dans le but de promouvoir la musique, notre musique, le Mututa. Ce n'est pas de pouvoir contre-attaquer, ce ne serait pas nécessaire. Ça n'a aucune importance, tout ça. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez une parole de confiance à donner à vos fans qui attendent qui sont en train d'attendre votre album? Bien, la scotché dans le single avec nous, dans EP. Explication à texte à venir comprendre, il y a titre à venir comprendre après. Bah, remarque, salam, moi, nous, mais vous qui s'nous, n'a pas de single à venir comprendre que vous avez travaillé bien, nous sommes rentrés dans la profondeur de notre musique, on n'est pas allé plus loin. Et couleur à produit, à venir comprendre des mots, ça va venir comprendre. Je ne vais pas vous promettre, mais je vous assure que Kim Lena Baska, vous ne serez pas surpris, vous ne serez pas déçus. Forlut, est-ce que tu as de l'aide à demander? On a lâché des producteurs. Ça fait beaucoup d'années qu'on fouille un producteur jusqu'à présent. Donc, mais nous sommes des hommes, nous sommes des humains. On ne peut pas s'asseoir et attendre que le producteur cuise. En attendant, peut-être qu'on avance mal. C'est un producteur, mais un vrai producteur, quoi, pas bah. Un vrai producteur. Tu mets allusion à qui quand tu dis pas bah? Est-ce que tu as d'abord quelqu'un que tu peux quand même demander de l'aide à travers cette émission, disant ah, un tel, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de l'aide de tout le monde, parce que même celui qui, tu vois ce que tu fais là, c'est de l'aide aussi. Le fait que tu nous aides de la communication, c'est de l'aide. On a besoin de l'aide de tout le monde. Il suffit juste que ça soit de l'aide normale, pas avec l'intention, une intention cachée quelque part. On a besoin de l'aide de tout le monde. De tout le monde, vraiment, je dis. Moi, te remercier, vraiment. J'ai oublié de demander quelque chose. Fort Lutte, tu nous as pas dit, ça sera pour combien de titres déjà ton album? Bon, en fait, ça sera pour 4 titres. On est parti pour 4 titres. C'est programmé pour un album, mais la réalité aujourd'hui nous montre que même quand tu as fait des albums, parfois. Donc, avec le staff, on a pensé qu'il faudrait qu'on le fasse d'abord, on fasse un single et on pourra enchaîner après. Il y a eu des featuring dans ton album? Bon, les featuring, non. Honnêtement, je vais dire non. Il faudrait qu'on comprenne une chose. Tu sais, les contextes featuring sont des bonnes choses. Mais il faudrait bien comprendre ce contexte-là. Moi, aujourd'hui, je travaille sur le régime groupe. J'avance avec une carrière solo, mais j'ai un groupe. J'ai des musiciens derrière moi. Celui qui avance seul et à chaque produit, il appelle des artistes d'accompagnement. Celui-là est parfois obligé d'aller consulter, faire des featuring pour plus d'apport. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire, non. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire. Pour l'instant, je privilégie les artistes de mon groupe. Okay. Si ces artistes-là étaient des leaders quelque part, ce que nous faisons là, ce sont des featuring que nous faisons déjà. Voilà, donc nous avons un groupe, nous travaillons en groupe. Il y a qui va featuring, il y a qui va featuring déjà dans la chambre. Mais comment tu fais pour les entretenir? Déjà, pas grand-chose, mais c'est d'abord l'amour qu'on se donne entre... C'est permis à tes artistes d'aller jouer avec d'autres groupes aussi? Ça, c'est pas permis. Parce qu'il y a d'autres personnes que je vois, ils lâchent leurs musiciens d'aller participer dans des clips des autres artistes et tout. Bon, en tout cas, chez moi... Je veux dire, tu es dictateur. Je ne suis pas dictateur, mais c'est sans les règlements du groupe. Mais ce n'est pas aussi une obligation, parce que les artistes aussi, eux-mêmes, se sentent libres, parce qu'ils se sentent fiers dans leur groupe. Et voilà, c'est... Il n'y a pas une nécessité d'aller jouer ailleurs parce qu'ils se sentent mieux, ils sont libres, ils s'expriment très bien. Voilà. Fort Lutte, on te voit rarement dans des concerts. Tu es moins sollicité parmi les autres artistes. Ça, tu dois quand même l'assumer. Hein.
Est-ce que ce... Je suis moins sollicité. Ouais, moins sollicité, en fait, par exemple. Est-ce que c'est parce que tu es trop exigeant dans tes prix ou je ne sais pas quoi? Excusez-moi. Parce que tu n'es pas à chaque fois comme les autres où je vois chez Diran, je vois par-ci, par-là. Bon. Est-ce que Fort Lutte, parce qu'il est trop exigeant ou bien? Ne pas être sollicité, ça, c'est pas possible déjà. Parce qu'il y a des gens qui me sollicitent tout le temps. Aller jouer quelque part, ce n'est pas forcément un problème d'argent. Okay. Il y a le contexte du spectacle, il y a le lieu, il y a ce qui va avec, il y a beaucoup de choses. Et moi, j'ai toujours eu un principe, ça je le dis à tout le groupe, on n'a que deux choses à faire. Okay. Soit nous faisons pour bien faire, soit on ne fait pas. Bon, dis-moi, tu peux me citer un spectacle que tu peux montrer sur un support vidéo? Voilà pourquoi je dis que tu es un peu plus exigeant. Non, s'il te plaît. Moi, je ne joue pas. Parce je que suis d'accord. Tu me demandes tout ça là. Je suis d'accord avec toi, mais je ne joue pas. Montre-moi maintenant, parmi tous ces artistes qui jouent là, tu peux apporter un produit, un concert, un spectacle, avec un bon son, des belles vidéos. Donc, qu'est-ce qui vous empêche? Tu peux le dire. La production qui n'est pas trop professionnelle, apparemment. Mais c'est du n'importe quoi. C'est ce qui fait que notre musique n'avance pas. Au lieu de bien faire, on essaie de bricoler, après on se plaint. C'est ce bricolage-là qui n'est pas bon. Bricolage à Timahimbi. Ça, je vais quand même parler à tous les artistes, tous les leaders. Vous m'excusez, mais je vais direct à Benoît. Vous imaginez, par exemple, quelqu'un a un spectacle na FB. FB. Vous m'excusez que je cite les noms des gens. Ouais, mais ça, c'est clair. FB, c'est proche de Jundanda, comment... Grande avenue de Montgrand du Rondal. Quelqu'un a un spectacle chez FB, un spectacle où il a préparé, il a fait la promotion. Et le jour où l'autre, donc le jour que ton frère est tenté de jouer chez FB, il a dépensé de l'argent pour faire la promotion, pour déplacer tout ce monde-là. Le même jour, à la même heure, pendant qu'il commence, toi, tu commences un autre spectacle juste à côté de chez Dirondali, Timahimbi. La rivalité ou. Ça, c'est pas bon, c'est pas bon. À la rigueur, si c'était un artiste d'un autre genre, on peut l'accepter. Mais si c'est juste une parcelle à côté, il n'y a même pas 10 mètres de cela, 10 mètres d'écart de séparation. Quelqu'un joue chez FB, du même genre, il y a un autre confrère qui est en train de jouer chez le Grand Duron. Ça, c'est la chose que nous-mêmes, on ne se rend pas compte que nous sommes en train de tuer notre style. Parce que les fans qui devaient rentrer chez l'autre, chez l'un, sont chez toi, le jour que tu joueras là-bas, lui également va faire la même chose, et tu vois qu'on aille où. Nous sommes en train de nous entretenir nous-mêmes. Il faudrait bien qu'on avance avec des actions qui vont faire que notre musique avance collectivement, qu'on avance très bien, et ne pas se faire du mal entre nous. Donc, pour revenir à la question, jouer à Bimina, bon, à spectacle, pour moi, je pense que c'est pas trop structuré, mais je vous promets déjà, la grâce à qui se fait cette saison-là, je jouerai un grand concert, le plus grand concert du monde tout. Ah ouais? Je crois que les gens vont polémiquer. Mais d'accord. Le plus grand concert du monde tout. De la décennie, de cette décennie-là. Les gens peuvent bouder, mais on peut se fixer. Pour lui, il y a le FESPAM panafricain qui est là, qui s'est préparé. Mais le Mambra, à Pointe-Noire. On n'a pris aucun artiste. Voilà, aucun artiste. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot pour ça? Parce que toutes les artistes ne sont pas d'accord. Je suis mal placé pour le dire. Mais c'est... Toi, qu'est-ce que ça te fait? Pas bon. Comment? Pointe-Noire, non, c'est pas mieux qu'élevé. C'est pas sérieux quand même. Je crois que... Déjà, je prends un exemple. Il y a des gens... qui résident dans certaines villes. La capitale du monde tout c'est Pointe-Noire. Si vous prenez aucun artiste de Pointe-Noire, ça veut dire que je suis censé dire, on est censé comprendre que on n'a pris aucun meilleur du monde tout déjà. Donc un genre déjà se sont écartés. C'est pas sérieux. Mais je suis mal placé pour le critiquer. Tu pourras dire ça. D'accord, merci beaucoup, Fort Lutte. Est-ce que tu peux passer à la présentation de tes artistes qui ont participé dans ton album? Il y a quelques-uns qui sont là, certains ne sont pas là. Lui, c'est l'onde de chocolat. Ça fait mon signe, ouais. Si je suis là, je suis là. Posez question. Donc, présente-toi. Non, moi, je m'appelle l'onde de chocolat.
Landry Chocolat, mais jouer quel rôle là tu as albumé? Est-ce que tu es danseur ou chanteur ou bien? Non, moi je suis chanteur, moi je suis danseur. Tu as moi capé la Yakim qui m'a enregistré dans l'album? Oui, je vais te mettre ça normalement, mon linceul. Tolika. Tu vois qu'il y a un abysse, on a un bêtas. Bêtas. Jibuna tula yamba, bunya baba yamba, nawa yegribu yamba, ho mama. Lungwele kwela yende, ho mame ya. Aye mungu anzembe kako mame. Na kwanzembe yebele tebo, yo kide jakapela, paske ya biloko tubombi po na binome, bozela ngo yebima. Kitoko ne lengi. Vraiment. Mosusu ya nani? Ya, le docteur Serge Fazawa. Présenté. Mosusu, docteur Serge. Les chanteurs. Pourquoi un docteur? Bon. Ça me dit docteur. Non, mais moi qui est docteur en musique traduite moderne. Ok. Moi qui est docteur de la musique, moi qui est docteur peut-être des bateaux, moi qui est docteur de la musique, façon moi qui est traité que voix. Participation à un album de Vandikin. Chanteur, oui, mais Yimba. Moi, Capella. Abe Banga Fiko, Montang Yiyo. Kiko yu mulungwela o mame ya. Aye mungu anzi mekako mame. Voilà, bon, n'y a pas que je vais te faire un peu parce que je vais te faire un peu de polémique aussi, que va enlever trop bien donc. Suivant, il y a 4 nani. Maître me participe, n'est-ce que me participe? N'est-ce que me salle? Ah d'accord, merci. Donc, le suivant c'est... Alors moi c'est... Il est dans le champ? Oui. Ok. C'est bien moi, Formo Sapé, l'accompagnateur de Tonner Musica. Et je joue beaucoup de rôles actuellement. Je suis Boule aussi chanteur. Boule Bétien Amoun Koutouba, parce que... Il y a une voix VA. Ok, merci. Donc, Koumbia Mounou, Formo Sapé, mon accompagnateur et Tonner Musica, pour moi jouer un rôle Mingi. Parce que, en fait, là-bas, Bétke Kouna... Ba role yin ke sos ke no role yae ya ke ya mount mos bet nyos ke sala yao donc moke na noana ko si sa mon a composition mon a cc pe na kuyimba mes sal mo ba couplet oui. Est-ce que l'ai répété vite bon je me présente d'abord. Je m'appelle le Formo Sapé moi ni yomba tamalande ntemble yere ya Nguri ya butiri menu mama wa ye kia diangla yenda longke vle ntoaneto mama Mami tekina. Bon ça on peut pas tout chanter moi j'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prince Solo, nous sommes dans ta maison Prince Solo. Non j'avais voilà. Quelque chose que j'allais ajouter là. Ok, tu peux pendant que tu parles des rôles là, vous allez constater moi j'ai initié, c'est la politique que j'avais instauré dans mon groupe depuis moi-même, j'essaie de tout faire quand j'ai la possibilité. Okay. Ce sont des chanteurs, mais quand il s'agit de danser, chanteur est comme un danseur. Ça, c'est la particularité chez moi. Okay. Tu verras que même dans mes clips, il y a des danseurs, mais les chanteurs sont obligés aussi de danser. On fait la chorégraphie. Oui. Mais d'un côté, quand il y a à faire, tout le monde doit bouger. Quoi. Donc, ce sont des chanteurs, quand il s'agit de danser, ils dansent. Lui, c'est le chef de chorégraphie, mais il renforce le partie chant. Voilà quoi. Donc on peut dire que c'est un orchestre, mais c'est une école aussi. C'est une école, parce effectivement. Quand quelqu'un effectivement. Passe par là, il passe et il sort avec une expérience effectivement. Ça, très c'est, professionnelle. On a un petit qui a commencé à prendre dans le groupe. Bon, il est là à côté. D'accord. On pourra le faire voir après. Tu peux venir. Tu passes derrière là. Ouais. Il est mon culot, Kenzave Ville. Ça, c'est le petit Malanda. C'est un petit qui a commencé à prendre la guitare dans le groupe. Ce sont les fruits du groupe. Ça va, Malanda? Oui, ça va. Tu as quel âge? Ngena quel âge? 20 ans. 20 ans. Ça me l'a dit, mes préférés, musique. Bon, en fait, musique. Bon, Mouzola est depuis quoi? Vraiment, ton man à bois là. Oui, il y a des dents. Farlit, nous sommes pratiquement à la fin. De Prince Solo. On va aussi remercier Prince Solo. Prince Solo, est-ce que tu peux te rendre ici? Nge si ba bande que sosa nge trop.
Prince Solo, on va quand même t'écouter un peu. Prince Solo, Misapi. Prince Solo, Yakaba Kotoyo, Prince Solo, Simba Micro. Est-ce qu'il est dans le champ? Ok, voilà. Prince Solo, un professionnel de la guitare, un soliste, voilà, très célèbre dans notre culture bembe. Prince Solo, où est-ce que tu as l'album alors? Non, Mouketa là-bas déjà depuis. Mouketa là-bas depuis déjà parce que Fort Lutte, qui est ancien musicien, c'est pas pour la première fois que Mouyamba donné en musique. Ok. Depuis la nuit des temps. Bon, depuis. Ah ouais, fait, depuis Studio Fatine. Tu vois, donc, ce que je peux dire, ça va. Ça va, vraiment, ça va, ça avance. Mais encore une fois de plus, Yann qui est rigoureux. Un Kevin méchant. Un qui est méchant, mais un qui est rigoureux. C'est tout, quoi. Donc, si vous êtes rigoureux, Il y a quand même quelques difficultés que vous avez rencontrées. Non, pas de difficultés. Mais si vous êtes rigoureux, vous avez la vie, vous avez la rigueur. Avec lui, ça marche. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que vous avez un mot que vous avez rassuré? Parce que vous avez une contribution à ce que vous avez fait. Bon, c'est son œuvre, mais ton œuvre aussi. Qui est là-dedans? Qui me voulait rassurer ni me remarquer, na projet ici, naturalité, hein? Naturalité vraiment là-bas. Moi ni du fond même. Mais ben Zimbia, est-ce qu'il y a Ben Mos ou soit, il y a qui il y a bah vieux, ben interprété. Ils sont là. J'invente pas, ils sont là. Manier insister là. Qui va composer Ben Mos Madas? Là, ça va. Vraiment, mais sont-ils naturalité? Naturalité, Banzimbo, mais vous trouvez que la base à ma solo, quoi. Merci beaucoup, Prince Solo. Merci. Prince Solo. Vous avez vu Prince Solo. C'est un célèbre. Merci beaucoup à Fort Lutte. Nous sommes à la fin pratiquement de notre émission. Fort Lutte, tu as un dernier message. Tu as des salutations, des remerciements à donner à des gens. Salut tout le monde. Moi j'ai toujours eu peur de commencer à citer les noms des gens. Okay. Je salue toute ma famille, tous mes enfants. Et surtout merci à Prince Solo, surtout pour son travail, pour sa contribution. Et nous sommes encore en train de faire chemin. Donc je remercie tout le monde. Et ceux qui ont des propositions, des remarques encore, nous sommes encore en train de travailler. Ils peuvent toujours nous appeler, nous dire ce qu'ils avaient oublié. Et on pourra incorporer ce que dans la mesure du possible, quoi. Sinon, je remercie tout le monde. Je te remercie toi aussi pour la surprise. Merci aussi pour cette jolie dédicace que j'ai reçue. Oh, merci. Tu le mérites, en fait. Tu le mérites. Merci. Fort Lutte, on va. Tu sais que toi et moi, quand on passe toujours sur l'émission, on la clôture toujours avec un a cappella. Les ambalali Merci beaucoup.